Jésus parlait encore lorsque des messagers vinrent dire à Jaïrus : « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Jésus entendit cela, se tourna vers Jaïrus et dit : « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, excepté Pierre et les deux frères Jacques et Jean. Ils allèrent à la maison de Jaïrus et virent les gens pleurer et pousser de grands cris. Il entra dans la maison et dit : « Pourquoi ces pleurs et ces cris ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir. Il prit avec lui la mère, le père et les trois disciples, et ils entrèrent dans la chambre. Il prit la main de l'enfant et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Fillette, lève-toi ». Aussitôt la fillette se leva et se mit à marcher. Tous étaient très surpris. Jésus leur ordonna de ne rien raconter et dit « Donnez-lui à manger maintenant ».